Alors le but du jeu, c'est pas que tu te mettes là, c'est que tu te mettes à côté. Bien mon bébé, oui, bien mon bébé. Oui, ma princesse. Oui, ma princesse. Hein? Bon, bah écoutez, ça tombe bien que Cicounette elle me fasse un petit câlin juste avant le début de cette vidéo, vu que c'est, je vais vous expliquer, 10 façons que votre chien a de vous montrer qu'il tient à vous, qu'il vous aime. Donc voilà, intro parfaite. Alors par contre, comme vous l'aurez vu dans le titre, je suis censée vous donner 10 façons que votre chien a de vous montrer qu'il vous aime. Sauf que je vais vous en donner que 9. J'aurais pu en mettre une dixième, mais je ne les trouvais pas suffisamment pertinentes, elles étaient plus au cas par cas. Et il y a du bruit partout, je me disais qu'on était en plein confinement, que j'allais pouvoir filmer dehors et tout. En fait, il y a du bruit partout, donc j'espère que ça ne dérangera pas trop dans la vidéo, mais bon, on verra bien. Au pire, je la retournerai, ce que je n'espère pas, mais on verra. Donc oui, comme je vous disais, j'aurais pu faire un peu plus du cas par cas et en mettre une dixième, mais j'avais pas envie. Si on prend par exemple un chien qui joue avec vous, dans un cas ça veut dire qu'il vous aime parce qu'il vient chercher le contact, etc. Dans l'autre, ça peut seulement être un chien qui apprécie de jouer, qui a assez joueur. On a tous déjà croisé un chien, au bout de 3 minutes, le chien ne faisait que de jouer avec nous, c'est pas parce qu'il nous aime, c'est pas en 3 minutes qu'il va nous aimer le chien. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Donc si votre chien joue avec vous, oui, c'est un signe qu'il vous aime, mais il y a des chiens qui sont plus joueurs que d'autres, donc voilà. Bref, on va pouvoir commencer. Alors, la première des choses que votre chien va pouvoir faire, c'est vous lécher. Donc vous léchez différentes parties du corps. Si vous aimez pas qu'il fasse des bisous sur la tête, moi je sais que j'aime bien faire des bisous à Cicounette, donc ça me dérange pas. Si vous aimez pas, essayez de trouver un compromis, laissez-lui vous lécher les jambes, les mains, quelque chose, histoire qu'il soit pas complètement frustré et que vous ne bloquiez pas dans cet élan de gentillesse. Toi tu me saoules à faire tes travaux là, sérieux. Bon alors, début de la vidéo, j'avais une jolie veste sans poils. Là, c'est juste une catastrophe. C'est pas grave, on nettoiera ça tout à l'heure. Donc, deuxième façon que votre chien peut avoir de vous montrer qu'il vous aime, c'est quand il remue la queue. Donc ça, c'est une phrase à pas sortir de son contexte, hein, je compte sur vous. Mais c'est encore une fois à prendre à la légère. Enfin, faut vraiment regarder comment vont être les oreilles de votre chien, comment vont être les yeux de votre chien. Parce que soit c'est qu'il vous aime, soit c'est qu'il a peur. Mais bon, en règle générale, un chien qui remue sa queue dans tous les sens, c'est qu'il a envie de jouer, c'est qu'il est content de vous voir, etc. Troisième point, votre chien il va venir vous réconforter, c'est-à-dire que quand vous allez pas bien, quand vous pleurez, quand vous êtes triste, quand vous êtes anxieux, inquiet, tout ce que vous voulez, et bien votre petit chien il vient vous voir, il vous fait des câlins, il vous fait des bisous, il est juste là à côté de vous parce que des fois ils savent pas forcément comment faire, mais ils sont là. Moi je sais que par exemple à chaque fois que je pleure, ça n'arrive pas souvent, mais forcément vous avez vu une de mes dernières vidéos où j'étais pas très bien, donc voilà. Chez Cliska, à chaque fois elle vient vers moi, elle me fait des câlins, elle me fait des bisous, enfin elle essaye de me remonter le moral et c'est juste trop trop chou en fait. Vous verrez que le jour où votre chien il vous fait ça, mais vous vous rendez compte qu'il vous aime vraiment et qu'il n'y a pas de condition à son amour quoi, hein. C'est un truc de dingue. Quatrième point, c'est le fait que votre chien il soit pas inquiet quand vous partez quelque part. C'est que vous avez réussi à établir une relation de confiance et que votre chien justement il a pas peur que vous l'abandonniez parce qu'il sait que vous allez revenir, parce qu'il sait que vous vous l'aimez et donc c'est un échange mutuel, c'est une relation de confiance. Le cinquième point, ça se joue dans le regard du chien. Vous verrez que votre chien, de temps en temps, il vous regarde vraiment intensément, vraiment profondément. Vous êtes en train de faire quelque chose, n'importe quoi. Moi, je sais que des fois, je suis en train de faire mes ongles et tout. Et là, je regarde Livska et elle est en train de me fixer. Mais ça fait déjà un petit bout de temps, en fait, qu'elle est en train de me fixer. Et on voit dans ses yeux qu'il y a de la douceur, qu'il y a de la tendresse. Et ça, c'est clairement un signe que votre chien vous aime. Sixième point, c'est votre chien qui sourit, enfin qui sourit entre guillemets parce qu'un chien ne sait pas vraiment sourire, mais je vous mettrai une petite photo parce que ça je dois la voir plein de fois en photo Cliska quand elle sourit, mais c'est vrai qu'ils ont une petite forme de bouche un petit peu, la mâchoire un petit peu relâchée, on a l'impression que le chien sourit. Quand il est comme ça, c'est qu'il est détendu, c'est qu'il est bien, c'est qu'il est positif, donc parfait, tout va bien. T'as pas l'impression de me déranger là? Donc septième point, c'est un point qu'on va pas forcément apprécier étant donné que c'est le fait que votre chien vous vole vos vêtements. Donc en soi c'est ultra mignon, c'est juste qu'il a envie d'avoir votre odeur très très proche de lui. Donc c'est très mignon, sauf que le vêtement, vous vous doutez bien qu'on le retrouve complètement détruit à la fin. Enfin pas pour tous les chiens, il y a certains chiens qui arrivent à prendre les vêtements et qui les gardent intacts et c'est leur doudou et puis basta. Moi chez Cliska, alors quand elle était petite, parce qu'après je lui ai dit que c'était... enfin stop quoi. Quand elle était petite, du coup, elle faisait que de prendre mes chaussettes, mais vraiment que les miennes. Hein. À l'époque, donc j'étais avec un mec qui n'est plus le mien à l'heure actuelle. Et jamais c'était ses chaussettes à lui, c'était toujours les miennes. Sauf que du coup, j'avais des trous dans chacune de mes chaussettes, donc je n'avais plus de paire de chaussettes, donc c'était un petit peu relou. Mais en soi, sur le fond, c'est vraiment mignon.
Huitième point, c'est le fait que votre chien vous suive absolument partout. Alors ça, c'est mignon un peu, quand ça devient trop excessif, là faut faire attention parce que vous pouvez tomber dans l'hyperattachement. Si votre chien n'est pas capable de rester tout seul, c'est de l'hyperattachement. Avec Liska, j'ai eu ce problème là quand elle était petite, donc j'ai fait une vidéo là-dessus parce que maintenant c'est réglé, on n'a plus du tout ce souci. Ce souci-ci, horrible comme tournure de phrase. Mais bref, du coup je vous mets la vidéo dans le petit i qui est à droite ou à gauche, je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné donc je ne me souviens plus. Mais voilà, ça peut vous être utile, c'est une vidéo quand même importante parce que l'hyperattachement, un chien hyperattaché, c'est un chien qui est malheureux, donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Encore une fois, répétition, c'est horrible. Et enfin, neuvième et dernier point, c'est le fait qu'il se laisse faire en fait, qu'il se laisse toucher partout, qu'il se laisse porter, qu'il se laisse regarder les dents. Que vous pouvez lui prendre quelque chose qu'il a dans la gueule, etc. Toutes ces petites choses-là, à partir du moment où le chien se laisse faire, c'est qu'il vous aime, qu'il a confiance en vous. Donc après, c'est un propos quelque peu nuancé, parce que c'est comme nous, on va avoir des humains plus ou moins tactiles, donc on va avoir des chiens plus ou moins tactiles, des chiens plus ou moins gentils, des chiens plus ou moins patients. Donc voilà, mais de façon générale, si votre chien, vous pouvez tout lui faire, lui toucher n'importe où, ce qui d'ailleurs, quand vous avez votre chien et qu'il est tout petit, même si c'est un peu plus tard, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même, mais tous les jours, commencez à lui toucher le corps un petit peu partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout, les coussinets, le ventre, le dos, les dents, enfin vraiment absolument partout, parce que si un jour il y a une blessure et que vous devez nettoyer un endroit où votre chien n'a pas l'habitude d'être touché, vous allez être bien embêté. Donc voilà. C'était le petit conseil en plus qui n'a rien à voir avec la vidéo mais qui était pas mal à dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que comme ça vous saurez au moins si votre chien il vous aime ou il vous aime pas. Si vous prenez soin de lui, de toute façon il va vous aimer, ça paraît évident. Mais c'est vrai que des fois on peut se poser des questions. Moi je sais qu'il y a de temps en temps, je sais que Liska elle m'aime, hein, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelques jours où elle va être plus distante et tout et je vais me dire bah mince, elle m'aime plus. Et bah, de savoir tout ça, de savoir les petits gestes, de connaître tous les petits gestes que les chiens peuvent faire pour nous montrer qu'ils nous aiment, et ben des fois ça peut être rassurant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!